Bonjour Walter Peretti. Bonjour. Walter Peretti, vous êtes responsable de la majeure informatique objets connectés, sécurité. Mmh. Vous êtes responsable cybersécurité au campus cyber de l'École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci. Ouais. La cybersécurité, c'est pas d'abord un problème technologique. C'est ça votre point. C'est d'abord une question un de sobriété. Alors de sobriété, parce qu'on euh, est aujourd'hui dans un contexte de cyberdépendance, ouais. dont on a du mal à, à évaluer le niveau. Je vais donc juste prendre un exemple parce qu'il est d'actualité. Euh, C'est malheureusement la crise qui est en Ukraine. Donc, on a la Russie qui s'est coupée d'Internet le 11 mars, en tout cas qui s'en est éloignée suffisamment pour être à peu près autonome. On a la Chine qui est coupée d'Internet depuis le début. Ils ont leur propre Internet et nous qui re, nous reposons dessus pour nos transactions financières, euh, la, la gestion de, 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 de toute la logistique. Enfin, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne passe pas par Internet mmh. D'accord Donc si, si on veut regarder cette cyberdépendance d'un point de vue géopolitique, euh, aujourd'hui, la principale menace que fait peser, ou peut faire peser la Russie, ou en tout cas qui inquiète énormément le monde de la cybersécurité, c'est tout simplement de nous couper Internet en mécaniquement aller couper les câbles euh, dans la mer, où on sait qu'ils ont des jolis bateaux qui, avec des jolies pinces qui sont là pour ça. Et euh, le coup pour nous, bah, il serait direct, c'est-à-dire un empêchement de fonctionner, au niveau économique, au niveau logistique, à des tas de niveaux. Hein, on a tendance à ne pas, pas savoir que typiquement, sur Paris, la première chose qui s'arrêterait s'il n'y a plus d'Internet, c'est juste l'eau potable. Ça devient compliqué très vite. Hein, on pense à des tas de trucs, oh, je pas mon smartphone, etc. Voilà. Et, et là, on voit bien que géopolitique, géopolitiquement, la Russie a une arme, puisqu'elle s'est retirée de cette dépendance, ou en tout cas en partie, elle peut faire peser ça sur l'Occident, et c'est certainement plus réaliste. Qu'une attaque nucléaire, dans la mesure où s'ils faisaient une attaque nucléaire, ils savent qu'ils pourraient avoir la réponse et la réciproque, l'équilibre de la terreur, quoi. Oui. Là, en termes d'Internet, c'est compliqué parce oui. que eux, s'en étant retirés, sont un peu préservés. Voilà, c'est un exemple de notre état de cyberdépendance oui. qui fait qu'aujourd'hui il y a un appel, en tout cas, il faut faire un appel à la sobriété numérique. Tout le monde de la cyber le fait, c'est-à-dire il faut aujourd'hui développer que les outils dont on a impérativement besoin, de façon à pouvoir se donner les moyens de les sécuriser complètement. Mmh. Deuxième, euh, deuxième point très, très intéressant, le, le problème est d'abord humain, parce qu'il est aussi interne, c'est-à-dire qu'on pense toujours cyberattaque externe, et en fait un sujet d'abord interne. Alors, il est d'abord interne, parce que la plupart des attaques, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un, un clic malencontreux euh, sur un lien. Donc, il est interne dans le sens où il est interne à une entreprise ou à un État. Le Costa Rica, aujourd'hui, est en État d'alerte, parce qu'ils ont été attaqués par un groupe de hackers qui s'appelle Conti, euh, qui, qui a mis à mal toutes les institutions euh, du pays. Donc, on voit bien aujourd'hui le poids que ça a. Et ils ont fait comment Ce sont des gens qui distribuent du malware, Conti. Hein, Ce n'est pas des attaques, machin. C'est parce qu'il y a des gens qui ont cliqué sur des liens, etc. Et puis que ça s'est déployé au point de mettre en péril un État. D'accord Donc, le, le problème, c'est la personne qui va cliquer sur le lien. Donc, c'est l'humain. Aujourd'hui, c'est le principal vecteur d'attaque. Le principal vecteur d'attaque. Tout le monde a en tête. Euh... Plan cyber, 1,8 milliard, 800 millions, ouais. etc., etc. Et vous, vous nous dites attention, culture cyber d'abord. C'est ouais. un problème de management. C'est un problème de management parce que, euh, parce que justement, euh, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit comme, euh, comme, euh, comme schéma euh, en termes de cybersécurisation Il y a l'attente du produit miracle qui va tout sécuriser, ça il oui. faut oublier, hein, ça, ça n'existe pas. Euh, et, et il y a la sensibilisation. On arrive dans une entreprise, on fait de la sensibilisation. Toutes les personnes qui ont fait un stage un jour dans leur vie de quelques heures sur un topic savent très bien que ça ne marche pas. Oui. La sensibilisation, ça marche très moyennement. On a tous des entraînements à l'alarme incendie une fois par mois, etc. Le jour où il y en a une vraie, vécue, hein, c'est vécu. Personne ne sort parce que n'était pas prévu. Oui. Enfin, je veux dire, il y a un moment, voilà, ça, 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 ça marche pas. Ça marche pas. Et, et donc, il faut créer une vraie culture de sécurité. Et ça, ça passe par, euh, très clairement, ça passe par le fait d'être tellement bien dans son travail qu'on a envie de protéger son travail. Et ça, ça relève du management. Oui, et de protéger son entreprise. Finalement, je peux ouais. prendre l'analogie du dopage. C'est-à-dire, euh, il y a toujours eu du dopage, il y aura toujours de la technologie qui ira plein dans le dopage. Mais ouais. Ouais, le premier point, c'est qu'il faut s'occuper, il euh, vaudra mieux éviter de se doper, puis avoir envie de protéger le Tour de France. Quoi. Exactement, c'est ça. Ah, hein. C'est exactement ça. Ouais. Très bien. Merci Walter Paret. C'est extrêmement intéressant. Un Merci plaisir. à vous. Merci.